L'Ouganda a annoncé qu'elle retirerait ses soldats de la force régionale menée par l'Union africaine qui combat l'Armée de résistance du Seigneur, la LRA, depuis 2011. La force est composée de soldats de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. L'Armée de résistance du Seigneur est un groupe ougandais qui a mutilé, enlevé, tué et torturé des soldats ougandais et dans les pays voisins au cours des 30 dernières années. Depuis 2011, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud et la République centrafricaine ont été engagés dans un effort militaire régional pour poursuivre Joseph Kony et ses rebelles de l'armée de résistance du Seigneur. L'Ouganda a été son plus grand contributeur avec 2000 hommes. Cependant, il a désormais décidé de retirer tous ses soldats de l'opération régionale d'ici la fin de l'année. Et nous avons fixé deux dates butoirs, l'une fin juillet et le dernier appel pour la fin octobre et celle-ci pour permettre à nos partenaires, les autres pays contributeurs, ainsi que l'Union africaine, de travailler à d'autres mesures d'interposition. Le retrait de l'Ouganda sème également la panique parmi les pays touchés par les actes de l'armée de résistance du Seigneur, en particulier en République centrafricaine, alors que le pays n'a pas de réelle capacité militaire et dépend uniquement de l'armée ougandaise. Nous pouvons dire que cela a été une réussite pour 80 à 90 mais nous nous concentrons sur la façon de capturer Joseph Kony et éradiquer l'armée de résistance du Seigneur. L'Union africaine s'inquiète du retrait de l'Ouganda, car cela va affaiblir la force régionale et d'autres groupes régionaux, tels que Janjawik et Seleka pourront en tirer avantage et relancer des attaques. Donc nous parlons de l'armée de résistance du Seigneur, mais à l'heure actuelle, vous créez un vide. Dès que vous retirez les soldats qui poursuivent ces rebelles, alors nous commencerons à avoir un nouveau problème. La menace posée par l'armée de résistance du Seigneur demeure réelle. Le Soudan, qui ne fait pas partie des pays touchés, fait état des activités de la LRA à sa frontière avec le Soudan du Sud. La présence de l'Ouganda en République centrafricaine a souvent été contestée dans le pays. La force régionale a été un fardeau financier pour le pays et le retrait des soldats va réduire considérablement les dépenses militaires du gouvernement.